Merci, merci. Bonsoir. Ah, moi, je suis très, très heureux d'être ici avec vous. Et je suis très fier et très heureux aussi d'être un artiste musicien d'ici et d'ailleurs. Je viens de loin d'ailleurs, justement. C'est l'île de Madagascar. Je vais interpréter donc un morceau qui était composé par notre roi qui s'appelle Radamadou au 17 et au 18e siècle. Isaïs Malal, moi et ma chérie. Voilà les titres, parce que le roi à l'époque, donc, il peut pas avoir, comment on dit ça, ses maîtresses, parce que c'est interdit. Donc, il a dit, je vais créer un morceau valse traditionnel pour toi. Et imaginez, il a dit à sa maîtresse, imagine-toi que je danse avec toi. Thank you.
Donc, le nom de cet instrument, donc valiha. Vous pouvez prononcer le vali ou la vali, ce n'est pas grave du tout. On peut dire la vali ou les valises. Donc, ça va. Donc, ici, il y a plusieurs valises, mais celui-ci, donc, c'est la plus ancienne valise, c'est la première valise. Pourquoi? Parce que tout simplement, les cordes que vous voyez ici, donc, ce sont les fibres des bambous même qu'on a soulevées avec un couteau spécial. Parce que si jamais on casse une corde, on ne peut plus s'en servir la valise. Il faut chercher notre bambou pour construire notre valise. Parce que c'est les fibres des bambous même, c'est par l'écorce des bambous même qu'on a soulevé. C'est une bambou qui pousse dans l'eau et qui a un peu plus d'eau et aussi qui est très proche du soleil et le vent. C'est pour cela que c'est très difficile pour fabriquer une valise comme ça. C'est très délicat. Mais bon, heureusement que je suis de père en fils fabricant de la valise, sinon c'est très dur. Et là, donc, c'est la valise, la plus ancienne valise. Et la deuxième valise, donc, celui-ci, bon, celui-ci, on peut fabriquer ici en Bretagne si vous avez des bambous qui poussent ici, je pense, hein, parce qu'il pleut tout le temps quand même, non? Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, et aussi, hein, les cordes, c'est facile ici, parce que ici aussi, vous avez beaucoup de bicyclettes, de vélos, parce que les cordes que vous voyez ici, donc, ce sont les câbles des freins des vélos. Les freins arrière, hein, mais pas les freins avant. Parce que la différence, c'est au niveau des épaisseurs, donc, les freins arrière, ça sonne beaucoup, beaucoup mieux que le frein avant. Et il faut déplacer les petits ces valets, donc, pour avoir les différentes tonalités. Voilà, donc c'est ça la valise. Et maintenant, je vais vous interpréter donc un morceau avec les valises ancestrales. Was na le zuse ye anna rewana ko tombunge nane bat kniavu was na le zuse ye utainzana hardor le rete ausi.